Nityanandam, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de la prise de décision. Comment prendre une décision? Qu'est-ce qui nous fait prendre une décision? En fait, si on attend d'être parfait avant de prendre une décision, je prendrai la décision d'arrêter de fumer quand j'aurai rangé mes affaires. Chaque décision qu'on prend, en fait, si on attend d'être parfait, on ne la prend jamais. Je vais parler aussi, par exemple, prendre la décision de se désengager d'un amoureux. On peut souffrir pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que tout à coup, on prenne la décision de se désengager. Ça ne veut pas dire qu'on est désengagé tout de suite de cette personne. Il va y avoir encore un chemin qui va se passer, où il va y avoir les derniers... Le mental, il va essayer de nous rattraper, de nous tester pour dire t'es vraiment séparé de cette personne. Mais du moment où on prend cette décision, en fait, et puis qu'on se rappelle en 3-4 jours chaque décision qu'on prend, on arrive à créer un nouvel espace pour prendre cette décision. Donc voilà, ça c'est une chose que j'ai apprise par mon expérience personnelle. Vous voyez, par exemple, maintenant j'ai pris la décision d'être sannyas. J'ai pris cette décision hier parce que j'ai compris pour quelles raisons, je reparlerai plus tard du reste pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai pris cette décision. Mais le plus difficile, c'était de sauter dans l'inconnu. Je prends la décision de sauter. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui m'attend, mais je sais que le plus dur à prendre, c'était de faire le saut. Et puis je vais sculpter au fur et à mesure qu'est-ce que ça veut dire d'être sannyas, de prendre ce rôle en fait, d'être moine, de prendre des vœux par rapport à ce qui est demandé dans la communauté de Nityananda. Mais je sais que par rapport au but, parce que j'ai pas eu mon but ultime, c'est de m'illuminer pleinement dans qui je suis et d'être pleinement incarné dans cette incarnation. Et donc j'ai pris cette décision parce que c'était la décision ultime pour m'amener à ce but-là. Du reste, il y a une vidéo magnifique qu'il a fait Paramahamsa Nityananda qui était dimanche. Je pense qu'elle est en ligne. Je vais mettre en tout cas le lien en anglais. Et pour ceux qui ont envie d'une traduction, c'est avec grand plaisir que je vous la retraduis en live. Donc voilà, c'était la prise de décision aussi. Quand je veux arrêter, si je veux arrêter de fumer, c'est prendre cette décision tout de suite, j'arrête de fumer. Et après, de s'expérimenter. Parce que demain, j'arrête demain, ou je te verrai demain, ou je te téléphone demain. Demain n'arrive jamais. C'est cette capacité de faire les actions, de faire la décision et de faire les actions dans l'immédiateté. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est une grande nouvelle que je partage là. J'ai pris la décision d'être sannyas, c'était le plus dur, c'était de prendre la décision parce qu'il y avait plein de peurs et tout. Puis maintenant, je ne dis pas que je suis pleinement moine, mais je vais habiter, je vais carver mon identité dans qu'est-ce que ça veut être l'esprit sannyas. Bon, en tout cas, il y a une espèce de confiance qui s'est construite pour Paramahamsa Nityananda, parce que pour faire ce genre d'opération, c'est le meilleur. Nityananda, je vous aime.